honte. Bah oui, je caille, il fait froid et en plus j'ai ma sale trombine de l'araignée qui te casse les cacahuètes. Voilà. Donc du coup, bah, ça m'empêche pas de faire une vidéo, hein, mais non. Pendant qu'on fait ça, ben on pense à rien, voilà, hein. Au lieu de s'affaler dans le canapé et de regarder la télé, eh ben si ta tête elle va bien, ton boule il avance. Eh ben oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Là j'ai la MDPH qui est venue parce que vous savez, prendre ma douche c'est un sacerdoce, je peux plus lever les bras et voilà, ça empire. Donc du coup, bah, autant vous dire que pour se laver la tête, on est obligé de lever les bras, hein, parce que le pied il va pas jusqu'à la tête. Je suis pas assez souple, hein. Il y en a qui le font, mais moi je suis pas assez souple. Et donc du coup voilà. Et puis il voulait me mettre quelqu'un pour me filer un coup de main, mais j'en veux pas, hein, pour qu'on me lave le, pour qu'on me lave le, hein, voilà, le boule. Et puis donc voilà, voilou. Et puis donc du coup, ben, on va voir qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la douche, hein, voilà, hein, parce que ben, pour laver la tête, on est obligé de se plier en quatre dans le lavabo, voilà. Bon, c'était pas le sujet, hein. Bon, c'est juste un petit aparté pour vous tenir au courant. Bah du coup, bah, ce qu'on va faire, voilà, on va faire un petit sac à main. Regardez comme c'est du mimi, moi j'aime ça. C'est une petite boîte sac à main. On va aller cueillir les fraises, la fille, on va aller cueillir les fraises. Une petite boîte sac à main, voilà. J'ai mis un petit tag là ici, on met ce qu'on veut, on s'en fout. Joyeux anniversaire, bonne fête. Voilà. Du coup, la boîte, elle s'ouvre comme ça. Hop, et là, il y a la petite boîte qui s'ouvre. Et on met ce qu'on veut à l'intérieur. Ben ouais, on met encore du chocolat. Non, faites ce que vous voulez, on met tout ce que vous voulez. Hein, voilà. Donc, elle se referme magnifiquement bien. Elle était en inch, je vous l'ai fait en centimètres. Je me suis bien cassé la nénette. Voilà. Petit sac à main, tout mignon. Allez, du coup, je vous mets sur le téléphone, parce que de toute façon, que ça soit à droite, à gauche, devant, derrière, on s'en fout sur le téléphone, hein. Il n'y a pas trop de mesures, beaucoup, beaucoup de mesures. Donc, du coup, je vous mets sur le téléphone, parce que la batterie de ma caméra, elle ne tient pas. Voilà. Et le jour où je vais vous tourner cette vidéo, on est avant Noël. Donc, du coup, bah, je ne sais pas si je vais l'avoir, ma caméra, pour Noël. Voilà. Donc, du coup, je vous le dirai. Voilà. Vous le verrez. Vous le verrez peut-être même avant ce tuto. Puisque le 24, je vous ferai une petite vidéo. Donc, vous aurez su avant cette vidéo si j'ai eu ma caméra ou pas. Voilà. Donc, pour faire ce petit sac tout mignon, il va nous falloir pas grand-chose. On va même pouvoir prendre les chutes de papier. Voilà. Donc, du coup, on va prendre un papier qui mesure 14,5 cm par 10,3 cm. 14,5 cm par 10,3 cm. Sur les 14,5 cm, on va faire un pli à 6,4 à droite et à 6,4 à gauche. Pourquoi je le fais des trucs là? Pourquoi je le fais ça moi? Je sais plus. Ah ben oui, ça y est, je sais. Et de chaque côté, à droite et à gauche, vous allez mesurer 3, 3 huitièmes. Non, je rigole. Je rigole, je rigole, je rigole, les filles, je rigole. C'est une blague. Du coup, vous allez mesurer de chaque côté 1 cm de 1,5. Voilà. 1,5 cm de chaque côté. Et on va prendre, en fait, notre crayon. On va prendre le petit repère qu'on a fait à 1,5. Et on va prendre ici où on a fait notre pliure. Donc, la petite intersection, et on va tracer un trait. Hop, on fait pareil l'autre côté. Tac. On fait pareil ici. Vous me voyure, hein? Ou vous me voyure pas? Tac. Voilà ce que ça nous donne. Ok, donc 1,5 ici en haut et on tire le trait. Ensuite, après, on prend le ciseau qui va bien. Et on va couper sur la ligne que l'on a faite. Hop, on fait ça sur les quatre lignes que l'on a marquées. Tac, ça l'est tout bon, ça l'est tout bon.
Voilà. Ensuite, je gomme les marques. On met ça de côté. On va prendre un petit morceau de papier, c'est pour l'anse. Il fait 14 cm et hop, par 2 cm. Et à droite et à gauche, on va faire un petit pli à 1 cm. Et on va... Voilà, ça, c'est tout ce qu'on va faire. D'accord? Et on va y mettre un petit morceau de double face. Alors moi, j'ai des double faces qui ne collent pas beaucoup. On le met à l'intérieur, le double face. Je remettrai de la colle sur les deux côtés. Comme ça, on sera prêt pour le mettre. Moi, j'en mets deux morceaux parce qu'il n'est pas très large. Oh, mais tu colles pas de mon doigt, toi. Hop. Donc ça, c'est pour l'anse. Vous faites de la couleur que vous voulez. Vous la faites comme vous avez envie de la faire. Vous pouvez aussi prendre une chute. Parce que comme elle n'est pas très large, vous prenez une chute. Moi, les deux petits sacs, je les ai faits avec des chutes de papier. Le premier sac, j'avais une chute de papier qui était embossée à froid. Du coup, je l'ai pris et j'ai mis, vous voyez, regardez, ici. Voilà. Et après, j'ai pris un morceau de papier différent ici. Et j'ai pris un morceau de papier différent pour faire l'anse, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et l'anse, elle est faite. Maintenant, on va prendre deux morceaux de papier qui font 8,9 par 5,1. D'accord? 8,9 par 5,1. Sur trois côtés, on va faire un pli à 1,3 cm. Sur trois côtés, donc le petit côté et les deux grands côtés, on fait un pli à 1,3. Ok? Et on va couper les petits carrés hop, qui sont en bas. Tac. Donc on en fait deux comme ça. Et on coupe les petits carrés. Parce qu'on n'en a pas besoin. Il faut que je les vois, les petits carrés. Ça serait bien. Hop, voilà. Donc, ça va nous donner ça. On va marquer les plis. Et on va mettre du double face à l'extérieur, ici, de chaque côté. D'accord? Sur les plis que l'on a fait. Donc, 5,1 par 8,9. Et on fait un pli sur trois côtés à 1,3 et on coupe les deux petits carrés qui sont en bas. On n'en a pas besoin. D'accord? Donc, ça, on va mettre après du double face à l'extérieur sur les trois petits plis que l'on a fait. Ensuite, après, il va nous falloir un morceau de papier de 7,1 par 5,7 et sur les 5,7, à droite et à gauche, on va faire un pli à 1,2. Et sur un seul côté, on va mettre du double face à l'extérieur. Sur un seul côté où on a marqué le pli. D'accord? Ensuite, il vous faudra un morceau de papier de 5 cm par, allez, on va dire 8,5. Et vous allez faire un pli à 1 cm en haut. C'est ce qui va vous donner le rabat ici du petit sac. D'accord? Ça, ce que l'on a fait ici, ça sera pour fermer la boîte. Et ça, ça va être les côtés de la boîte. Voilà. Donc, on a tout pour faire notre boîte. On reprend nos deux côtés où on a coupé les petits carrés. Et en fait, on va juste les mettre ici et les coller ici. Alors, il y a, ça va, comme c'était des inches et que j'ai fait en centimètres, vous allez peut-être avoir quelques petits centimètres en trop pour le rentrer, comme moi j'ai là. Bien, ce que vous faites, c'est que vous recoupez un tout petit peu, pas beaucoup, voilà. Et puis c'est tout. Tac. Pour pouvoir le rentrer. Là, il rentre. Ben oui. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Celui-là, il est nickel. Voilà. Donc, on va retirer les petites protections. Il faut bien les appuyer de façon à pouvoir retirer comme il faut les petites
les petites protections, mais là elles n'ont pas envie de se retirer. Non, ils veulent pas, je sais pas pourquoi. On va d'abord retirer celle-là. Tac, on va recoller celle-là. Et voilà. Hop. Donc, on va le coller ici. On fait attention d'être bien dans le pli. Tac. On regarde si ça ferme bien. C'est nickel. Ça, c'est pas un double face qui colle hyper bien. Donc du coup on peut hop, voilà, on va le prendre et on va le mettre à l'intérieur de l'autre côté. Alors j'appuie pas pour voir si je suis bien positionnée, c'est tout bon, et je fais. Et maintenant on va coller en fait les côtés comme ça. Alors pourquoi il est trop grand mon côté, tu peux m'expliquer? Pourquoi mon côté il est trop grand? J'ai oublié un truc là. Ben oui, j'ai oublié un truc. J'ai oublié de faire un pli. J'ai oublié de faire un pli. En plus, j'ai mis du truc jusqu'au bout. Mais il fallait le couper. On colle et on coupe. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je reviens dans... Alors, j'ai fait une couillonnade sur le côté, ici, en haut. Vous allez prendre 1,2 cm. Pas grave, on rattrape, hein. Voilà, vous marquez 1,2, un point, 1,2, un point. On prend notre règle, notre truc qui va bien là. Tac, on trace un pli. Tac, tac, tac. On fait le pli et on coupe aussi les petits carrés. Du coup, on coupe les petits carrés sur les deux côtés. Hop. Et hop. Tac, ça va faire les petits trucs qui vont aller dedans. Bon, allez, maintenant qu'on a récupéré notre cacahuète, on va retirer nos petits trucs pour coller. Hop. Je me place bien comme il faut et je colle. On va faire pareil de l'autre côté. On va retirer les petites tac. On va se placer comme il faut. Alors là, j'ai pas mis de colle. Hein. Vous voyez, j'ai mis que du double face. Et ça va tenir. On fait pareil l'autre côté. Non, on a dit qu'il fallait retirer que le truc. Pas le truc entier. Hop, on se met bien comme il faut. Et on colle. On fait pareil ici. Ah bah là, on le rentre à l'intérieur. On vient se mettre bien bord à bord. Hop, et on colle. Voilà, ça c'était les petites languettes. Alors ce qu'on peut faire, les petites languettes, on peut faire un petit biseau de chaque côté. Hop, de façon à ce qu'elles rentrent bien. Et voilà. Tac. Voilà. On va prendre notre petit papier qui est je ne sais où, qui est là. Donc celui de 5,7 par 7,1.
On va venir retirer la petite pellicule de notre double face. Et on va venir se mettre ici à l'intérieur. On va venir se le coller à l'intérieur. Alors pareil, si ça passe pas, on fait un biseau. Hop, et hop. Ça aurait été bien que je gomme les trucs, hein. Parce que quand on va ouvrir, ça va pas faire jojo, hein. Hop. On se met bien comme il faut à la pliure. Voilà. On le colle à l'intérieur, hein. D'accord. Alors mon truc, il n'est pas bien fait. Je l'ai fait en inch, mais il n'est pas bien fait. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Hop, il va là. Je vais faire une petite marque au crayon. Alors, faites pareil. Puis vous mettez... que je l'ai fait hop, vous tracez le pli, on marque le pli, on rentre les petits trucs et il faut que je coupe en biais. Hop. Et voilà, notre petite boîte, elle est faite. Donc, vous coupez en biais la petite ouverture ici, hein, d'accord? C'était des inches et du coup, ça n'a pas été... j'ai pas mesuré comme il faut, c'est pas grave. On reprend et on refait. De toute façon, quand on fait une bêtise, ça se reprend tout le temps. Voilà. Tac et tac. Donc notre petit sac, là, notre petite boîte, elle est faite. Maintenant, il va falloir qu'on vienne mettre notre petite anse plus notre petit truc dessus. Alors, ça, je l'ai mis comment? On l'a mis comme ça. Ok. Donc on va mettre du double face à l'intérieur. Mais avant, on va coller notre anse. Hop. On retire les petits trucs et on va coller l'anse. Mais là, je pense que je vais mettre de la colle. Non, il n'a pas envie. C'est affreux, ça. Hop. Je fais l'autre côté pareil. On prend notre petit truc. On va le mettre là. Tac. On plie notre petit papier. Comme ça, on va pouvoir venir positionner notre anse ici. Tac. Et on fait pareil l'autre côté. Voilà. Du coup, on va mettre du double face ici et ici, donc sur les deux côtés. Donc j'en mets là.
ça et un morceau ici. Voilà, on va retirer les petites pellicules et là je vais quand même mettre de la colle. Parce que comme c'est l'ouverture, tac. Hop, j'ai de la double face sur l'ongle. Alors, on se met bien au milieu. Tac. Et on vient coller notre petit rabat. Voilà. Maintenant, on va aller prendre un petit scratch. Un petit scratch. Hop, il faut l'autre. Alors, moi, ce que je fais, comme d'hab, je coupe un petit peu de peluche. Sinon, ça arrache tout, ça scratche de trop. Hop. Hop. Voilà. Hop. Je vais repousser un peu. C'est mal mis. Voilà. Hop. Tac. Allez, maintenant on n'a plus qu'à faire la déco. Bon bah tu te fermes ou pas toi? Hop. Ben voilà, il est fait. On n'a plus qu'à mettre la déco. Alors on va allumer le pistolet à colle. Il y a un petit nœud. J'ai fait avec des restes de perles de diamant painting, j'ai fait un petit rond et je suis venue faire une petite fleur. J'ai fait un petit truc pour mettre dessus et derrière, je ne sais pas ce que je vais mettre. Non, bah, je vais le laisser comme ça parce que comme déjà il y a pas mal de dessins, je vais attacher ça sur le côté. Hop, je vais faire une petite boucle. Après, vous voyez, si vous voulez faire une déco, c'est suivant votre papier. Hein. Tac. Voilà. Hop, c'est tout prêt. Je vais mettre ma petite fleur. La mets bien au milieu. Voilà. Hop, j'ai un petit nœud. Je vais le coller ici. Voilà, et ça va être terminé. Voilà. Chichou Mimi, j'aime bien moi. Hop, et en voilà un deuxième. C'est tout mignon, tout mignon. Voilà, deux petits sacs tout mignons.
pour mettre des petits chocolats ou pour mettre un petit présent ou un petit bijou dedans. Voilà, voilà. Allez, je vais vous reprendre. Je baisse le truc de la truc. Je vous reprends comme ceci. Voilà, voilà. Avec ma tête de je trompe pas bien. Voilà. Donc moi, j'ai trop aimé, même s'il y a eu des petits couacs, vous avez vu, ça se rattrape, on s'en fout, basta, et voilà, voilà, de petits sacs tout mimi. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, laissez dingotes, scrapez bien, et surtout, surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous, ciao, ciao.